Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une petite heure. Durant cette heure, nous allons parler de 3D, comme la petite canette qui se trouve derrière moi, et nous allons surtout parler de composition en 3D et de la manière dont on va pouvoir mettre tout ça en place à l'aide du Creative Cloud et de deux applications principales qui seront Adobe Photoshop et Adobe Dimension. Donc dans un premier temps, ce que je souhaite savoir de mon audience, c'est est-ce que vous connaissez Dimension ? Vous m'écrivez DN 0,50 ou 100%, et sur la même ligne, vous allez mettre PS comme Photoshop 0,50 ou 100%. Ça va me permettre de savoir si ce dont je vous parle aura un résultat direct chez vous, ou s'il y aura besoin un petit peu de tourner autour et de trouver des solutions. Pour ceux qui ne connaissent pas encore notre chaîne YouTube, vous y êtes les bienvenus. Elle se trouve, comme vous l'avez constaté, sur l'adresse youtube.com/adobefrance. Et si vous êtes arrivé sur la chaîne aujourd'hui, je suppose aussi que ce n'est pas complètement par hasard. Donc je vous partage très rapidement mon écran sur lequel vous allez pouvoir retrouver la vidéo en direct. Vous allez pouvoir retrouver nos prochaines sessions, donc des sessions sur Character Animator, sur Audition notamment ensemble, des sessions plutôt basées sur la photo, Lightroom ou Photoshop pour faire du dessin, des sessions dessin, des masterclass avec des artistes, et vous verrez qu'on a reçu pas mal d'autres artistes, Jean-Baptiste Monge, Marc Simonetti, Spart, Raphaël Lacoste, Nicolas Weiss, sur différentes masterclass pour présenter tout un travail graphique et visuel. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on fait ici avec vous, et que je vous recommande d'aller explorer. Je sais qu'on a régulièrement des sessions d'utilisateurs qui nous disent « bah tiens, ouais, je sais pas si on peut trouver tel ou tel sujet », mais qui ne sont pas allés sur la page YouTube, et qui ne sont pas allés cliquer sur la petite loupe ici. Pas la loupe, pas la recherche de YouTube globale, mais directement la loupe, comme ça vous êtes sûr de pouvoir trouver le contenu directement chez Adobe France. Et du coup, quand vous cherchez sur Dimension, vous mettez ici, vous tapez Dimension, et vous allez voir que Dimension, on en a parlé quelques fois déjà. On en a parlé notamment sur cette session pour la découverte de Dimension. On a parlé de packaging notamment. On a parlé de la luminescence, des ombres et des matières, des situations, etc. Et on en avait même fait une introduction il y a bien plus longtemps avec Stéphane Baril, qui est un peu notre expert sur la partie flux de production du print à la 3D. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur cette page YouTube. Vous devriez retrouver énormément de contenu. Si c'est votre premier passage sur la chaîne, vous savez sans doute que les chaînes YouTube marchent aussi aux abonnements. Donc abonnez-vous, comme ça vous aurez accès à ça. Et pour les prochaines sessions, n'hésitez pas, pour ne pas rater le début, vous pouvez directement lui demander de mettre la session dans « à regarder plus tard » et définir un petit rappel ou une petite cloche pour être informé du début et ne pas et être avec nous dès le départ. Ensuite, je vois que je commence à avoir quelques réponses. Donc Photoshop à fond, Photoshop, tout le monde est à fond sur Photoshop, ça c'est une bonne chose. Et par contre, vous êtes nombreux à ne pas connaître Dimension. Eh bien, je vais vous guider un petit peu. Tiens, bonjour TMPX, j'ai vu un panneau crépi en Valois cette semaine. C'est dire, on voyage beaucoup tous ensemble. Donc, Dimension, qu'est-ce que c'est ? Dans ce cas-là, je tape Dimension, Adobe Dimension sur mon navigateur, et vous allez voir que quand on tape Adobe Dimension, on se retrouve donc sur la page du produit qui vous présente en fait ce petit outil qui va vous permettre en fait de prendre en main la 3D, notamment, et ce qui me semble le plus important, pour des designers qui n'ont pas forcément de connaissances en 3D. Je pense à des gens qui n'ont pas forcément pris le temps de se former sur un outil de modélisation 3D, mais qui ont des envies, qui ont des idées précises au niveau du rendu de ce que l'on va pouvoir mettre en place. Donc vous verrez, cette petite vidéo, elle est là en introduction de la page d'Adobe Dimension sur le site Adobe, donc vous pourrez retrouver tout ce petit contenu, et vous pourrez vous en inspirer. Vous verrez aussi que Dimension s'appuie énormément sur des modèles, sur des matières, sur des éclairages qui sont fournis directement avec l'application et qui vont vous permettre assez rapidement de prendre en main l'outil et de faire des réalisations qui seront très personnalisées. Et puis, ce qui nous intéressera aussi, c'est qu'il y a énormément de nouvelles fonctions au fil des mises à jour de l'application, mais que toutes ces fonctions ont été pensées d'abord et avant tout pour l'utilisateur.
Alors si vous êtes un utilisateur féru de 3D, tiens d'ailleurs, donnez-moi aussi dans le petit sondage, dites-moi si vous êtes utilisateur d'autres solutions 3D, que ce soit Cinema 4D, Blender, 3DS Max ou autre, voire même Photoshop, parce que oui, Photoshop vous permet de faire de la 3D. Je suis assez curieux de voir justement les résultats que vous pourriez avoir. Ok pour tout le monde ? Bien. Voilà pour la petite introduction que je voulais faire avec vous. Je vais me remettre là dans un coin et on va regarder donc sur la page de dimension les idées, les représentations. Vous verrez que d'abord, parmi les points les plus importants, en tout cas moi ce qui m'a concerné le plus sur l'outil, c'est qu'on est sur un outil qui a été pensé pour les graphistes. C'est-à-dire que vous avez du contenu, vous avez déjà en tête la manière dont vous pouvez mettre en place vos mises en page, vos typos, vos logos, etc. Et vous avez besoin juste de réaliser la bonne photo. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on va aller chercher à l'aide de dimensions. Ce qui vous intéressera aussi énormément, c'est que Algorithmic, qui est un grand fournisseur d'outils de texture 3D, fait maintenant partie de la famille Adobe. Et donc ça va nous donner de grandes possibilités. Je pense notamment lorsqu'on ouvre l'application Dimension, vous voyez ici j'ai ouvert Dimension, eh bien je vais retrouver dans Dimension directement tout un tas d'outils, tout un tas de petits modèles, ceux que l'on appelle les fichiers pour débutants, mais vous pourriez tout à fait ranger vos éléments dans des bibliothèques, et parmi ces modèles, eh bien, on va retrouver aussi, évidemment, soit donc des modèles, soit des lumières, mais ce qui va nous intéresser particulièrement ici, ce sont des matières. Et les matières, en fait, jusqu'à présent dans Dimension, c'était des fichiers .mdl qui pouvaient être créés à partir d'Algorithmix, à partir des applications d'Algorithmix, telles Substance Painter ou Designer. Et là, on va aller encore plus loin, puisque les matières sont intégrées directement et les nouveaux matériaux qui ont été récupérés vont être extrêmement poussés, extrêmement pointus en termes de qualité de rendu. Alors, je vois en réponse sur les outils un peu de Keyshot, un peu de 3DS Max, un peu de SolidWorks, un peu de DAZ, donc du personnage, du Hexagone, du Carrara, ouais, tout à fait, Fuse, ouais, Algorithmic, etc., etc. Alors, tiens, petit point intéressant pour les utilisateurs qui nous disent « Oui, mais j'aimerais bien aussi intégrer du personnage dans ma 3D », vous savez peut-être qu'à l'intérieur des applications Creative Cloud, on a accès à une appli qui se trouve ici, qui s'appelle Adobe Fuse. Adobe Fuse, c'est une application qui est basée sur le service Mixamo et qu'on ne va pas retrouver sur les applis en français. Donc il va falloir demander dans votre Creative Cloud, d'ailleurs je suppose vous êtes tous abonnés au Creative Cloud, je regarde dans le chat, vous me direz, parce que si vous n'êtes pas abonné au Creative Cloud, vous allez manquer ça. Vous allez manquer les services, vous allez manquer les typos, vous allez manquer pas mal de trucs. Ici, donc, je vais passer dans les préférences du Creative Cloud, et dans les préférences, je vais lui demander de passer mon Creative Cloud en anglais, par exemple, langue de l'application en anglais nord-américain, et en faisant ça, lorsque je reviens, il va me dire, bah oui, mais en fait, tes applications ne sont pas installées. Et donc ça, c'est pas très très grave, c'est ce qui me permettrait d'ailleurs d'installer les langues dans certaines des applications, mais surtout, ce qui va être intéressant pour vous, c'est que vous pourrez retrouver Fuse CC Beta, qui va vous permettre de créer des personnages personnalisés directement pour les projets Photoshop au départ, mais on verra qu'on peut s'en servir par ailleurs. Donc oui, a priori, tout le monde est sur le CC, tout va bien. En tout cas, je sais qu'on me demande parfois, bah tiens, comment est-ce que je fais pour avoir Fuse c'est de cette manière-là, une fois que vous avez fait ça, vous lui demandez de revenir dans les préférences, vous le remettez en français et tout va bien, vous pouvez continuer votre journée. Votre application va être installée, voilà, toutes les applications sont installées et Fuse, vous n'aurez plus qu'à le lancer, vous pourrez retravailler avec. Ok ? Ok. Donc, vu que j'ai eu énormément de 0% sur Dimension, donc ça veut dire que vous démarrez, à part FC2 et Jack2 qui ont un petit peu joué, Alexandre évidemment,
Je voulais vous présenter ce qu'on peut faire avec Dimension. Pour cela, je vais aller sur la page d'Adobe et je vais aller sur Behance.net. Behance, a priori, vous êtes de plus en plus nombreux à connaître, donc ça devrait être assez simple. Behance.net, vous pouvez aller découvrir. Et vous allez découvrir comment ? Eh bien, en regardant soit le meilleur de Behance, donc là, c'est vraiment l'ensemble des projets que vous allez pouvoir, filtrer, soit en lui demandant d'aller chercher les galeries par outils créatifs. Et par outils créatifs, eh bien, ça va vous permettre de voir tout ce qui a été fait avec Photoshop, Lightroom, Illustrator, mais évidemment, et vous vous doutez bien que c'est pour ça que je vous emmène ici, ce qui a été réalisé à partir de Dimension. Tiens d'ailleurs, et ça c'est nouveau, on a une galerie sur Substance Painter, donc ça vous permettra de comprendre tout l'intérêt que je peux avoir au fait que Algorithmic fasse partie de la famille maintenant. Donc je vais cliquer sur la galerie Dimension et on va regarder un petit peu ce qui a été mis en place. D'abord, ce qu'on voit dessus, c'est qu'il y a évidemment du packshot. Il y a des éléments qui ont été réalisés avec peut-être des formes simples, avec des matières qui sont plus ou moins complexes. Ici, on voit du travail de transparence, on voit du travail d'embossage, etc. Mais là, on va voir du travail d'éclairage surtout. On va retrouver certaines matières qui sont assez classiques dedans, à partir de dimensions. Et on va voir que tous ces travaux-là, en fait, peuvent vous inspirer, peuvent vous faire comprendre ce qu'on va faire avec. Un des points qui était assez important pour nous sur Dimension, c'était de se dire qu'il était capable de vous proposer très rapidement l'intégration pour des designers de packaging. Et intégration, ça veut dire que vous allez choisir eh bien, la matière des couvercles, la matière de l'environnement, l'éclairage qui va se mettre en place, mais évidemment, vous allez travailler avec vos propres créations. C'est-à-dire que vous allez passer sur votre Illustrator pour faire du logo, pourquoi pas du Photoshop, lorsque vous avez des matières un petit peu plus complexes, etc. Et vous allez pouvoir intégrer tout ça, et vous allez pouvoir, à partir d'une même gamme de produits, réaliser eh bien, différentes vues d'un packshot différent. Très pratique pour créer le personnage et l'intégrer sur Fuse. Jektou me demande, est-ce que Substance Painter est inclus dans l'abonnement CC ? Non, du tout. Pour l'instant, donc, on vient juste d'annoncer qu'il faisait partie de la famille. Les modèles restent encore séparés, donc on aura des news prochainement, dès que la manière de fonctionner nous le permettra. Ok ? Donc ici, si je regarde ce genre de travaux, ben je peux me balader dans toute la galerie autour de Dimension. Puis vous voyez qu'on a un moteur Ray Trace qui était au départ basé sur V-Ray et qui a été recomposé, réintégré par l'équipe d'Adobe, avec notamment une des grandes forces de l'outil, c'est de pouvoir travailler eh bien, dans Dimension, pouvoir intégrer les contenus, et surtout pouvoir aller finaliser l'ensemble sur un outil comme Photoshop. Et ça, c'est hyper précieux, parce qu'on n'a pas forcément tout le temps de développer, de gratter dans ce type de compétences. Et là, vous êtes dans des outils que vous connaissez, avec des raccourcis auxquels vous êtes habitué, sur lesquels vous devriez pas être trop perdu. Ça va pour l'instant, j'ai encore perdu personne, je pense, vu que je vous donne surtout les grosses indications et les points principaux. Un autre site sur lequel je veux vous emmener là tout de suite, c'est lorsque je vais taper dimension chez moi, je vais aller dans feedback.dimension.com. Feedback, c'est quoi ? C'est un site un petit peu comme les user voice qu'on commence à connaître autour de Photoshop, Illustrator, InDesign ou des applis vidéo, qui va vous permettre en fait de découvrir et de proposer eh bien, des suggestions, de pouvoir dire, bah voilà, moi j'aimerais bien telle ou telle fonction à l'intérieur de Dimension, ou au contraire, j'ai trouvé un bug que l'équipe n'avait peut-être pas repéré, et ce que vous allez faire là-dedans, c'est pouvoir dire, bah voilà, j'aimerais bien faire ce genre de choses. Par exemple, la première demande, et c'est une de mes premières demandes sur l'application, c'est d'extruder des vecteurs pour en faire des formes 3D. Ça, c'est le premier truc qui va vous manquer, hein, je suppose. En tout cas, moi, c'est le point qui m'a manqué. Et du coup, ce genre de choses, eh bien, comment est-ce qu'on va pouvoir le mettre en place ? On va pouvoir le mettre en place plus tard. L'équipe a commencé à travailler dessus. Pareil ici, réaliser un packaging à partir de modèles 3D à plat, eh bien, on sait que l'équipe est en train de travailler dessus, qu'ils ont commencé à bosser, et surtout, l'intérêt pour vous, c'est que vous allez pouvoir vous connecter là-dedans. Par exemple, si je mets mon adresse ici, et que je choisis, que je m'identifie,
Eh bien, il va me reconnaître et il va me dire, ah bah oui, effectivement, Franck, tu as voté sur ces deux fonctions-là. Et ce qui sera intéressant, c'est que lorsqu'il y a une avancée dans le projet précisément, par exemple, si je vote pour les éléments de lumière personnalisés, eh bien, je sais que j'aurai des rendus. Je sais que certains points, par exemple, les améliorations sur le lien entre l'image de fond et l'éclairage ont été réalisées. Des améliorations sur les matériaux luminescents, etc., etc. Donc vous voyez qu'on a pas mal de choses sur lesquelles eh bien, vous pouvez participer à votre, au développement de vos outils. Ok ? Donc si c'est ok pour tout le monde, on va passer sur la petite page, donc toujours sur la page du produit dimension, sur la page de nouveautés, qui se trouve maintenant dans la page d'aide, et qui va vous permettre de voir que sur la version d'avril 2019, donc la plus récente, hein, les deux précédentes c'était décembre et octobre, sur la version d'avril 2019, pardon, eh bien, on a une bêta du rendu cloud. Rendu cloud, ça veut dire que vous allez pouvoir préparer une image. Une fois que vous êtes à peu près satisfait de votre rendu, vous allez pouvoir lancer le rendu et le récupérer un petit peu plus tard. Attention, ce rendu cloud, pour l'instant, il est gratuit pendant la bêta, mais gratuit sous réserve de crédit. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, bah voilà, vous avez le droit à un certain nombre de crédits, et un certain nombre de crédits vous donne une certaine qualité d'image sur le rendu que vous souhaitez. Donc il faut le savoir, mais c'est quelque chose qui va être assez intéressant. Ce qu'on va avoir aussi, c'est depuis cette version, l'intégration des fichiers substances SBSAR, qui sont des matières qui vont aller beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait faire auparavant à l'intérieur de Dimension. Et pour tous les utilisateurs qui réalisent des matières dans Substance, eh bien vous allez pouvoir les proposer aux utilisateurs de Dimension. On aura dans les grosses mises à jour, que je trouve intéressantes aussi, au niveau de la matière, le fait qu'on puisse placer les décalcomanies, cette fois-ci, et qu'on puisse placer nos décalcomanies en gérant le remplissage de ces décalcos, ce qui va nous permettre de réaliser beaucoup plus facilement des mosaïques pour la répétition. Ça va être quelque chose d'assez précieux. L'autre truc, ça c'est tous les graphistes qui vont apprécier la mise à jour d'avril, c'est qu'on va pouvoir utiliser les contenus depuis le Creative Cloud, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire un design à l'intérieur de Photoshop ou d'Illustrator, le plaquer sur un élément, et puisqu'on passera par le panneau Bibliothèque Creative Cloud, eh bien si vous faites une mise à jour de votre logo, cette mise à jour sera répercutée à l'intérieur de Dimension. Ensuite, ce qui va être utile pour tous les designers, tous les gens qui font du pack, c'est qu'on va pouvoir travailler avec des unités de mesure 3D qui seront des unités réelles. Donc on n'est plus limité au pixel et à devoir faire ses conversions à la main. Cette fois-ci, on va pouvoir lui demander réellement l'échelle des éléments et le travail sur les paramètres du document. Donc on pourra lui dire, bah voilà, je veux que mon document travaille sur des fichiers de autant de centimètres. Donc ça va être assez pratique pour pouvoir travailler dessus. Ensuite, donc en termes d'amélioration, comme vous pouvez le voir ici, prise en charge de la luminosité d'environnement ambiante, on va pouvoir sur les images sphériques travailler sur la luminosité sphérique, sur les images à plat, il faisait jusqu'à présent, Dimension faisait la conversion de vos images à plat en tant qu'image sphérique. Donc là, il va vous laisser le choix. Pour les outils déplacement, on aura maintenant ce qu'on connaît dans Photoshop ou InDesign, Illustrator, ce sont les repères commentés. Lorsqu'on va déplacer les éléments, eh bien on saura à quelle distance on se trouve d'un autre objet. On aura moyen d'utiliser donc la baguette magique à l'intérieur de nos contenus pour pouvoir découper les contenus. Et ça va être assez fort. Enfin, on va pouvoir parler chinois dans Dimension. Ça, c'est à vous de voir. Pour l'instant, j'en ai pas encore eu usage, mais l'important, c'est que ce soit disponible. Autre point qui intéresseront les utilisateurs des versions précédentes de Dimension, le moteur de rendu viré a été remplacé par un moteur en interne qui a été développé par l'équipe d'Adobe sur des bases de moteurs 3D, évidemment. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'ils sont en train de réfléchir dès maintenant à utiliser des moteurs de rendu externes pour l'application.
qui fait que si vous étiez vraiment fan de Virée, vous pourrez toujours le récupérer, mais par le biais de rendu externe. On a mis en place donc sur les fichiers pour débutants toutes les matières à l'intérieur de Dimension. Donc si vous aviez certaines matières que vous n'arrivez pas à retrouver, peut-être qu'il faut juste parfois renommer certains fichiers pour pouvoir les retrouver. Enfin, dans la sélection, la bordure de la zone de travail, on ne peut plus la sélectionner pour éviter justement de modifier la sélection en cours. Donc ça, ça devrait vous aider un petit peu. Ok ? Ok, ouais, c'est assez super les mises à jour de dimension. Vous l'écrivez parfois, ouais, et du coup on comprend beaucoup moins. Donc voilà un petit peu les grosses nouveautés à l'intérieur de Dimension. Maintenant, je vais essayer de répondre aux gens qui m'ont répondu 0% sur Dimension, sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et qu'est-ce que c'est que cette application. Donc d'abord, quand vous ouvrez Dimension, je vais quitter mon Dimension, hop, comme ça vous allez voir ce qui se passe quand on l'ouvre. Quand j'ouvre Dimension, première chose, j'ai un panneau d'accueil qui va me permettre de deux choses. D'abord, d'explorer l'application. Et quand on dit explorer, eh bien, c'est qu'on va pouvoir prendre des tutoriels sur différentes fonctions. Tout d'abord, une première visite, ça c'est hyper utile pour comprendre l'essence de l'outil, c'est-à-dire attraper un objet, le poser sur la scène, tourner autour, etc. Ensuite, on verra le travail sur l'appareil photo, c'est-à-dire la mise au point, le fait qu'on puisse sélectionner une partie de l'objet pour dire la mise au point se fait sur tel objet et pas sur tel autre. Ça, c'est vraiment non pas du détail, mais vraiment la finition de vos travaux. N'hésitez pas à regarder le point de focus. On pourra regarder la partie matériaux qui a été mise à jour. On pourra regarder tous les contenus de formation. Vous en aurez plein dans le navigateur. Et enfin, vous pourrez voir justement la page que je vous ai indiquée sur les nouveautés de Dimension. Donc n'hésitez pas à regarder là-dedans. Lorsque vous lui demandez de suivre un tutoriel, eh bien, il va vous préparer un projet. Et sur ce projet, vous allez retrouver tout le contenu, etc., toutes les petites vidéos. Donc n'hésitez pas, hein, pour moi c'est hyper utile ces petits contenus, et vous pouvez lui demander sur le contenu de formation de fermer la formation ou d'aller à une étape spécifique si vous aviez déjà avancé dessus. Ok, ah ben oui, c'est bien, à chaque fois je faisais une bouteille, du coup j'étais obligé de recommencer ma manip. Ben oui, voilà, c'est un peu l'idée c'est vraiment de se former sur l'outil. L'autre point qui sera intéressant, eh bien, c'est que vous allez pouvoir créer donc un nouveau document ou ouvrir vos documents récents, mais ça c'est comme dans toutes nos applications. Ce que vous aurez remarqué aussi, c'est que dans Dimension, vous pouvez rechercher dans vos fichiers. Par exemple, effectivement, si vous faites du packaging avec un cube, vous allez taper CUB, et puis il va vous proposer différents objets, différents modèles. Et ce qui sera intéressant, c'est que si j'ai pas exactement le modèle qui m'intéresse, ou alors je vais chercher une bouteille, boot, B-O-U-T-E ou B-O-U-T, voilà, il me propose plusieurs bouteilles, mais j'ai peut-être pas le contenu qui m'intéresse, je vais pouvoir à tout moment lui demander de parcourir Adobe Stock, et à l'intérieur d'Adobe Stock, eh bien, je vais retrouver d'autres éléments. Alors là, j'ai tapé bout, donc il va me donner des bouts de quelque chose, mais si cette fois-ci je tape bien bouteille, eh bien, dans bouteille, je vais retrouver du contenu. Et donc, une partie de ce contenu pourra être ajoutée à mes bibliothèques. Je peux regarder le contenu, je peux filtrer. Je peux lui demander justement d'avoir du contenu standard plutôt que le contenu premium. Et je peux lui demander ici, par exemple, je veux ce type de flaconnage parce que je travaille en pharmacie. Je peux lui demander d'acheter et d'enregistrer mon modèle. Hop, il va être enregistré dans ma bibliothèque Creative Cloud. Ce qui fait que maintenant, si je lui demande de revenir sur la bouteille, il va d'abord rechercher dans mes fichiers pour débutants, mais il recherchera aussi dans mes bibliothèques. Et dans mes bibliothèques, maintenant, si je lui demande bouteille, B-O-U-T-E-I-L-L-E, il va chercher uniquement des modèles, et vous allez vous rendre compte que des bouteilles, eh bien, j'en ai déjà récupéré, et j'ai déjà travaillé avec. Donc, je vais les retrouver à la fois dans Stock, mais je vais les retrouver aussi dans toutes les bibliothèques Creative Cloud. Hop, alors ici, si je lui demande d'aller afficher dans ma bibliothèque, je vais retrouver là dans ma bibliothèque ce contenu. Et donc je vais pouvoir glisser sur la page. Vous remarquerez un autre truc, c'est que quand je survole un modèle et que je m'apprête à le glisser, il me propose de le poser directement au centre de la page. Ça c'est assez évident, mais ça peut être très très pratique.
Ce qui va nous intéresser aussi, c'est qu'une fois que j'ai placé mon élément, eh bien, je vais pouvoir lui demander de travailler avec. Par exemple, je me rends compte que j'ai récupéré sur cette page pas mal de petites images, et ce sont les images que j'utilise pour le fond de ma... pour le fond de mes vignettes lorsque je travaille sur, les applis Adobe. Je vais pouvoir glisser un visuel et je vais pouvoir le glisser directement sur le fond. Et quand je fais ça, Dimension en fait va pouvoir travailler sur l'image. Je vais pouvoir lui demander d'adapter mon environnement à l'image. Quand je lui demande d'adapter à l'image, il choisit éventuellement de redimensionner la zone de travail. Ça va être assez pratique, notamment sur les proportions plutôt que sur la taille. Mais il me choisit aussi d'adapter la lumière du soleil et éventuellement la perspective de mon contenu. Alors là, il a l'air pas très décidé pour la perspective. Ça, c'est pas de chance, parce que j'aurais bien aimé qu'il le fasse. Mais par contre, il va utiliser cette image-là en termes de dimension, en termes de placement, pour pouvoir adapter la lumière de mon contenu. Je vais reprendre une autre image, je vais glisser cette image-là. On va lui demander d'adapter à l'image le redimensionnement, les proportions, la taille de l'image, etc. Hop, ok. Alors, il n'a pas l'air décidé à me mettre les éléments à l'échelle. Ça, c'est vraiment pas de chance. Je vais regarder si j'ai pas une autre solution. Hop. On va voir si sur celui-ci, ça va passer. Adapter. Voilà, là il veut bien m'adapter la perspective à la perspective de l'appareil photo. Ok, donc j'ai adapté ma perspective, il est en train de retravailler et de retrouver l'ensemble de mon contenu. Je vais pouvoir lui demander maintenant de déplacer cet objet. Mais si je le déplace, vous voyez que maintenant il y a un petit truc qui va être intéressant pour moi, c'est que lorsque je vais déplacer, il va me dire bah, tu es en train de le déplacer d'une certaine distance en centimètres. Je m'approche de mon objet, juste pour que vous voyez. Je vais travailler non pas sur tous les axes, là je le déplace dans n'importe quel sens. Je vais lui demander en fait de travailler que sur l'axe, donc rouge et bleu, ça fait du violet. Eh bien je vais travailler que sur cet axe magenta ici, pour le déplacer sur le plan de travail. Et ce qui sera intéressant pour moi, c'est que quand je le déplace comme ça, il va me dire, bah ok, là on l'a déplacé plus ou moins de 20 cm. Donc ça va être assez utile pour nos travaux. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever cette photo de fond pour l'instant. J'en ai pas forcément besoin. Ok. Hop, on supprime la photo de fond. Je fais pas mal de commandes ou contrôle Z. Voilà. Et je vais garder juste mon flacon. Alt, je vais pouvoir dupliquer ce flacon et je vais pouvoir lui dire bah, Alt, tu vas te déplacer ici de 2 cm et 8 cm. Mais je pourrais aussi faire sélectionner que la ligne bleue, faire Alt dessus et du coup dupliquer juste cette partie-là du flaconnage. Et ça va me permettre en fait par la suite de réaliser une série de vues de ces différents éléments. Ce qui sera intéressant, c'est que lorsque j'attrape plusieurs objets ensemble, eh bien ces différents objets, je vais pouvoir regarder un petit peu comment ils sont répartis sur la scène. Et surtout, une des problématiques que j'ai moi quand je suis dans un environnement 3D, parce que j'ai pas forcément l'habitude de travailler avec, c'est justement de me dire, bah ouais, mais comment je me déplace dessus ? Alors d'abord, ce que je vais faire là-dedans, vous allez voir que ici, vous avez plusieurs petites options. D'abord, le zoom pour ajuster sur la sélection. Je sélectionne commande ou contrôle A toutes mes bouteilles et je vais cliquer pour ajuster sur la vue de toutes mes bouteilles. Ça, c'est indispensable. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que ici, j'ai moyen, avec la petite étoile, de mettre un signet, un marqueur, qui me permettra de revenir sur cette vue-là. Ici, je vais enregistrer cette vue et là, je vais l'appeler la vue 3 quarts. J'ai pas beaucoup d'idées sur le nom de mes vues. J'enregistre ma vue 3 quarts, et je vais pas l'appeler 3 quarts avec un slash, parce que dans le code, c'est pas possible, donc on va la renommer, hop, vue 3 quarts, ok. Et puis peut-être que j'aurai besoin de travailler très prochainement au niveau de la vue, sur une vue de haut, pour pouvoir placer plus facilement mes éléments. Et bien dans ce cas-là, je vais prendre ma caméra, et puis je vais lui dire, ok, on va travailler ici sur cette caméra, je sais que ma caméra doit se remettre à plat. Alors vous regardez, je suis en train de le faire à la main, parce que c'est assez instinctif. Mais je peux lui demander du coup sur cette caméra, vous voyez, il me dit 99, on va mettre 90 degrés, 90 degrés, moins 180, ça peut rester tel quel. Et puis, je peux lui demander d'éloigner la caméra,
Donc je vais l'éloigner sur la hauteur, sur le Y, ici. Alors là, il me dit 139, mais je vais la mettre à... il me dit 39, je vais la mettre à 139, je vais la mettre à 1m40, et je vais lui demander, du coup, de resserrer le champ angulaire, ce qui me permettra d'avoir une vue beaucoup plus nette, beaucoup plus précise, sans avoir trop de déformation de perspective. Ok ? Vous voyez que c'est vraiment aussi simple que ça. Il suffit juste de s'éloigner, plus ou moins, alors peut-être pas à l'infini, hein, mais là je me mets à 3m30 de ma vue, et je me déplace dessus, et comme ça j'ai une vue de mes objets, non plus en 3D, mais une vue de haut. Donc ensuite je vais reprendre ma bouteille, je vais sélectionner mon outil de sélection, V, comme dans Photoshop, et cette bouteille, hop, je vais la caler juste au bon espacement avec la bouteille précédente, et je vais me caler en fait sur les repères, histoire de pouvoir être justement aligné et de pas me mélanger les pinceaux entre les différents objets qui sont présents sur ma scène. Ok pour vous ? Pas trop de soucis pour l'instant ? Pour dupliquer, évidemment, oui, merci Alexandre de compléter. Lorsque vous avez besoin de dupliquer les éléments, vous passez dans le menu édition et vous devriez reconnaître différents éléments qui vont vous être utiles. Par exemple, ici, je vais pouvoir copier un élément, je vais pouvoir le coller, mais je vais aussi pouvoir le coller comme une occurrence. Et coller comme une occurrence, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien, ça va me permettre, par exemple, si je prends mes objets ici, je vais faire d'abord copier, édition, coller. Là, j'ai collé l'objet sur ma scène. Tout va bien. Maintenant, ce que je peux lui demander, c'est de copier l'objet et de le coller comme une occurrence. Et donc, il va le coller comme une occurrence du premier, ce qui fait que lorsque je vais modifier le premier, eh bien, il va modifier la seconde version de ma bouteille. C'est bon pour vous, ça ? C'est assez simple, mais je préfère le préciser. Maintenant, cette vue-là, qui me plaît bien, je vais l'appeler « vue du haut ». Parce qu'elle va me permettre de vraiment caler mes éléments. Je vais revenir ensuite sur ma vue de 3 quarts, et du coup je vais retrouver mes flacons. Ce qui sera intéressant maintenant, c'est que ma vue de 3 quarts, je vais lui demander de sélectionner les objets, je vais zoomer jusqu'à ce que je trouve le bon angle de vue autour de ma scène, ok, là on est plutôt pas mal. Et ce qui sera intéressant pour moi, c'est que je vais pouvoir lui demander ici, vous voyez, sur la caméra, de sélectionner en fait le point de focus sur les objets. Par défaut, lorsque vous êtes dans Dimension, vous n'avez pas de profondeur de champ. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est quelque chose qui est relativement lourd à calculer. Et donc on essaye de ne pas faire le contenu. Alors on me demande s'il n'y a pas un alignement automatique des objets. Il y a un alignement des objets. Juste, moi je le récupère juste en dupliquant et en déplaçant les objets. Mais alignement en tant que tel, c'est vrai qu'on n'a pas d'option d'alignement. Et bien dans ces cas-là, on peut leur demander, regardez, je vais passer hop, en haut de mon dimension, et je vais pouvoir cliquer là-dessus. Qu'est-ce qu'on devrait améliorer dessus ? Je n'ai pas besoin de rajouter de propositions. Je vais passer cette série. J'aimerais bien, en fait, rajouter quelque chose. J'aimerais bien, par exemple, how to align different objects. Voilà. Je vais rechercher, il me dit, ben voilà, Align Objects in 3D. Eh bien, Align Objects in 3D, je vais cliquer dessus. Alors, évidemment, on adorerait aligner différents objets, centrés sur les côtés, etc. Eh bien, le 2 avril, ils nous ont dit, ok, dans un premier temps, on est capable de... on a commencé à travailler dessus, et ce qu'on va faire dessus, c'est qu'on va regarder comment les objets peuvent s'aligner, en étant mis en place les uns par rapport aux autres, un alignement général, ou tout en général. Eh bien, moi, je vais voter en disant, je veux ça. Donc je me connecte, j'accepte qu'ils enregistrent ça, sinon je pourrais pas avoir l'info, hop, je m'abonne, et si je veux toujours leur laisser un message, je leur dis oui, et là il va me dire, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous voulez parler à l'équipe ? Est-ce que vous voulez fournir des demandes, etc., etc., là-dedans, ok ? Ouais, je sais, c'est Dimension, c'est tout neuf comme outil, hein, donc il y a pas mal de trucs sur lesquels on se dit, bah, c'est évident, il doit y avoir cette fonction-là. Mais comme il n'y a pas tout, eh bien, on peut proposer, et puis on peut suivre aussi le développement de l'appli au fur et à mesure. Ok ? Donc là, j'ai ma vue,
et je me rends compte que ma vue de 3/4, en fait, elle a bougé par rapport à celle de tout à l'heure. Eh bien, je peux lui demander de mettre à jour la vue. Ici, il va me proposer donc de faire un petit contournement dessus. Commande Alt B, ce sera la vue d'accueil. Et ensuite, il va pouvoir mettre à jour cette vue, et comme ça, j'aurai bien exactement ce que je souhaite. Je vais pouvoir lui demander de prendre la caméra, je vais pouvoir lui demander de choisir le champ angulaire sur lequel on va voir ça. Je vais aussi pouvoir lui demander donc de faire un premier rendu ici, et je vois que les rendus de mes flaconnages sont plutôt classiques, mais intéressants, mais je n'ai pas de profondeur de champ dessus. Eh bien, c'est ce que je vais lui demander par la suite, c'est que je vais prendre l'option mise au point, et vous allez voir que l'option mise au point, elle m'affiche directement la mise au point sur le dernier objet créé qui est là. Donc ce que je peux lui demander, c'est d'utiliser ici ce petit tag de mise au point, et je vais pouvoir donc cliquer dessus et choisir l'objet sur lequel j'aimerais bien mettre la mise au point. Donc ici, par défaut, on avait la mise au point sur le premier objet. Je vais lui demander, donc en prenant donc la caméra, de gérer, de définir le point de mise au point ici, sur ce bloc-là. Et du coup, je vais pouvoir lui dire, oui, j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de flou tout autour du point de mise au point. Et maintenant, quand je vais lancer mon premier rendu, vous allez voir que j'ai bien le premier objet qui est net, et j'ai les objets autour qui ont 40 de niveau de flou. Je vais pouvoir lui demander de rester un petit peu plus raisonnable, parce que je trouve que c'était pas nécessaire d'aller aussi loin dans la profondeur de champ. Vous voyez que je peux vraiment adapter mon contenu. Et cet élément qui est posé sur la photo, c'est vraiment une idée de mise au point de ce qu'on se fait sur... un outil graphique. C'est-à-dire, je sais quel objet je veux voir net. J'ai pas forcément besoin de voir tout l'environnement autour complètement net. Juste cet objet-là. Et ça, ça va être important, je pense, pour les graphistes, pour les illustrateurs, etc. etc. Ok ? Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais lui demander de me rajouter un signé. Et ce signé, ça va être 3/4 mise au point, sur lequel j'aurai bien la vue qui m'intéresse. Ici, je reviens sur la vue standard, j'ai la vue sans mise au point, là je reviens sur ma vue 3/4 avec mise au point, sur laquelle je vais pouvoir affiner. Par exemple, je pourrais me dire, bah ouais, ok, là c'est pas mal, mais du coup, ça mériterait peut-être d'être un petit peu plus cadré, un petit peu plus serré sur mes objets, hop, peut-être un tout petit peu moins, voilà, parce qu'on a envie de voir la formule, de voir le produit, de sélectionner l'objet du milieu, par exemple, parce que quand mon objet est sélectionné, on va tourner autour de cet objet, et ça, c'est vraiment un truc que les graphistes vont apprécier, hein, c'est qu'on va se focaliser sur le besoin du graphiste au moment où il utilise l'application. Et puis, on va pouvoir encore zoomer un petit peu, hop, on va venir directement dessus. On va revenir sur la caméra pour s'assurer que la mise au point est bien prise en compte. Ok. Et on va regarder en fait ce premier rendu. Est-ce que c'est pas mal? Est-ce que c'est bien? Ou est-ce que ça mériterait des améliorations? Voilà comment je vais lancer mon contenu sur Dimension. Ça marche? Ok. Ce que je vais faire par la suite, c'est, si je suis satisfait, je peux passer directement en mode rendu. Et en mode rendu, eh bien, je vais pouvoir choisir ce que je vais faire comme rendu. D'abord, je vais lui demander la qualité. Moi, je vous recommande, dans un premier temps, de tester un rendu de faible qualité. Vous verrez que c'est un PSD 16 bits par couche, ce qui va vous permettre de jouer beaucoup sur l'éclairage derrière. Vous allez pouvoir donner un nom à ce fichier. Par exemple, ici, j'aimerais que ça s'appelle flacon. OK. Et vous allez pouvoir choisir soit la vue active, soit une ou plusieurs vues que vous auriez mises en place. Donc, je vais pouvoir lancer mon rendu, il va se faire sur le bureau. Donc, vous choisissez l'emplacement du rendu et vous lancez votre rendu. Et là, Dimension va se mettre à bosser à votre place. C'est-à-dire qu'il va prendre les éléments, il va travailler dessus et il va vous donner au fur et à mesure eh bien, les premiers rendus, les premières infos sur le calcul de votre image. Vous avez vu que j'étais passé sur quelque chose de très très granuleux à quelque chose qui va s'affiner progressivement. Et puis, au fil du temps, donc il va affiner la qualité du rendu, et je vais finir par avoir une estimation du temps de rendu sur ce contenu. Okay ? Une fois que j'ai fait ça à l'intérieur de Dimension, eh bien, je vais pouvoir passer à la phase 2 de mon projet. La phase 2 de mon projet, c'est d'aller coller des étiquettes sur ce contenu-là. Donc je vais lancer Illustrator et on va regarder comment on met en place, très très vite, hein, on va pas passer deux plombes à fabriquer des étiquettes dans Illustrator, c'est pas le but aujourd'hui, promis.
mais on va se fabriquer eh bien, un sol assez graphique qui représentera ma charte. On va se fabriquer un contenu sur les produits qu'on aura pu réaliser à l'intérieur d'Illustrator. Ok ? Oxanda nous dit « Quand j'entends dimension pour la première fois, ça fait un peu peur, mais au final, c'est assez simple. » Ouais, je confirme. Très clairement, dimension, il a été pensé pour les gens qui n'avaient pas envie de se compliquer la vie sur les contenus. Donc, il faut surtout pas hésiter. C'est vraiment une appli qui se prend en main super rapidement. Moi, c'est ce que je vous recommande. Donc ici, par exemple, je veux faire un fond un peu graphique. Je vais prendre une série de lignes, je la duplique, je vais aller chercher... Je suis à l'intérieur d'Illustrator, hein, vous connaissez. Mon outil de j'ai plus son nom en français, voilà, le dégradé de forme. Je vais faire un dégradé de ma première ligne à la dernière ligne, et je vais lui demander de faire le dégradé de forme, non pas en couleur lissée, mais par étapes. On va se mettre 20 étapes, ça devrait être suffisant, ok. On va peut-être intervertir les points, hop. Voilà. Donc j'ai interverti un peu les points de mon tracé. Ce qui me permet d'avoir des jolies lignes à placer. Et puis si je veux faire la même chose dans l'autre sens, rotation, alt, dupliquer. Et je vais pouvoir lui demander, eh bien pourquoi pas, de réaliser des lignes type papier millimétré. Donc je vais lui faire des grosses lignes, peut-être un tout petit peu moins séparées. Là on a 20 étapes, on va peut-être se mettre, allez, 10 étapes. Voilà, ok. Qui seront des grosses lignes avec, si je prends mon panneau propriétés à l'intérieur d'Illustrator, eh bien je vais aller rajouter, on va se mettre 3 points, 4 points. Voilà, soyons fous. Et on va choisir comme couleur. Puisque j'ai dit papier millimétré, on va prendre du orange. Et puis je vais reprendre, je vais dupliquer cet élément-là, Alt, flèche, majuscule et dupliquer. Et je vais lui dire que cette duplication, cette fois-ci, on va se faire, eh bien non pas 100 étapes, mais, 10 étapes, mais 100 étapes. Ok. Alors là, on voit plus rien, parce que je suis toujours en 4, mais on va mettre un point seulement de duplication. C'est peut-être un peu limite un point, donc on va lui demander d'être à 0,5 même, ou 0,25. Voilà. Et là, on va se retrouver avec du papier millimétré et qu'on va recaler sur notre page. Une fois que j'ai mon papier millimétré et que je suis assez content de ce que j'ai sorti, eh bien, je vais lui demander tout simplement d'aller le poser dans mes bibliothèques. Donc, je vais venir le poser dans les bibliothèques de dimension parce que je me suis créé une bibliothèque exprès pour ça. Et je vais faire petit plus ici et on va enregistrer le graphique. Le graphique, on va l'appeler par exemple... papier millimétré. Surtout, n'hésitez pas à noter et à nommer vos éléments dans les bibliothèques parce que vous allez pouvoir faire des recherches derrière. Donc ici, papier millimétré, ça c'est enregistré en tant que graphique dans Dimension. Ensuite, j'aurai peut-être la marque sur laquelle je vais travailler. Donc je ne vais pas me prendre la tête très très longtemps. On va fabriquer très rapidement un bête logo pour aujourd'hui. Hop, un cercle... Hop, voilà, on va prendre, check, mes deux objets à l'intérieur d'Illustrator. Je vais utiliser l'outil de concepteur de forme parce que je l'aime bien, Alt, et je vais supprimer des petits morceaux dessus. Et voilà comment je vais fabriquer, hop, à partir d'ici, une forme, deux formes, tac, voilà. Donc ça va être mon nouveau logo, et je vais le mettre comme ça. Allez, 45 degrés, je le trouve cool, il est sympathique et il va pouvoir partir en tant que logo à utiliser dans Dimension. Il l'appelle Illustration 6, je vais l'appeler Logo Test, ok. Et je vais pouvoir retourner dans Dimension, parce que c'est quand même un peu l'idée. Dimension était en train de travailler, je vois qu'il a fait mon premier rendu, je m'en suis pas occupé depuis tout à l'heure. Je peux passer sur le bureau et je vais voir que sur le bureau, j'ai mon flacon vue3quarts.psd que je vais pouvoir ouvrir. Et je vais retrouver ce rendu-là. Le rendu est relativement clean, il y a un petit peu de bruit, mais je suis sur un rendu de qualité faible. Sauf que le rendu de qualité faible, c'est quand même un fichier de 23 mégas en 10 cm de large.
donc c'est plutôt cool et c'est plutôt très propre. Et notamment, ce qui va être intéressant, c'est que par défaut dans Dimension, vous voyez qu'on a de l'éclairage dessus. On a les reflets qui ont été pris en compte et qui ont été mis en place. Ok ? Dimension, DN, pensée pour les osio. Ok. Je sais pas ce que ça veut dire, Vadim. Donc je retourne dans mon Dimension. À tout moment, je peux faire ce qu'on appelle un instantané au format PSD. Je peux prendre mon contenu, je peux faire mon flacon instantané, et je vais pouvoir lui demander, eh bien, sur le bureau, d'aller ouvrir ce fichier instantané. Et ce qui va être cool là-dedans, c'est qu'en prenant le fichier instantané... Oh, c'est la première fois que ça me fait ça. C'est pas cool, du coup. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Hop, flacon instantané 2. Il a décidé de me pourrir la vie. Donc je vais regarder si le flacon instantané 2 a été pris en compte. Oui, je vais pouvoir le retrouver. Et donc l'instantané numéro 2 s'est ouvert. Et ce qui sera intéressant pour moi en tant qu'utilisateur de Dimension, eh bien, c'est qu'en ayant déjà mon flacon instantané, eh bien, je vais retrouver par exemple ma carte de profondeur. Je vais retrouver les différents calques qui seront proposés par Dimension au fil du rendu. Par exemple, eh bien, la capacité à sélectionner les éléments par matière. Donc ici, j'avais une matière plastique sur les différentes bouteilles, j'avais une matière étiquette, etc. Et ici, je vais pouvoir sélectionner par masque de sélection d'objets. Donc je vais pouvoir retrouver les différents objets qui sont appliqués. Évidemment, je retrouve mon rendu et je retrouve une passe de couleur d'arrière-plan, ce qui me permettra beaucoup plus facilement de récupérer tout ça. Autre point que moi j'utilise à outrance dans Dimension, c'est que sur cette passe-là, je peux lui demander d'aller chercher par sélection, d'aller sélectionner par plage de couleur, récupérer le noir. Vous voyez qu'il va me récupérer aussi les zones autour du noir. Je pourrais avoir juste un noir complet, mais je vais récupérer un tout petit peu de la zone floue parce que je sais que là-dedans, je rattraperai un petit peu de mon contenu. Et cette sélection un petit peu floue, eh bien, je pourrais lui demander éventuellement de l'appliquer eh bien, à mes flacons, ce qui me permettra de récupérer directement l'ombre de mes flacons. Ça va être assez pratique, ok ? Ah oui, effectivement, c'est accessible, mais je suis pas sûr que les oiseaux sachent se servir de Dimension. Donc là, je viens de passer sur ce contenu-là. J'ai laissé mon calcul de flacon se mettre en place. Vous avez vu qu'évidemment, la version avec la mise au point est plus longue à calculer que la version normale, parce que pour chaque déplacement, eh bien, il va devoir flouter un petit peu plus le contenu. Je vais retourner en conception et je vais regarder eh bien, dans les fichiers pour débutants sur Dimension. Je vais chercher non pas une bouteille, mais peut-être qu'on va juste chercher un plan incurvé pour placer sous nos images. Et je vais prendre mon plan incurvé. Vous remarquerez un truc, c'est qu'il est en train d'essayer de me le coller aux différentes images que j'ai posées. Je prends ce plan incurvé, je vais le déplacer, je vais me déplacer un tout petit peu dessus et je vais déplacer mon objet, hop, pour pouvoir poser mes bouteilles directement dessus. Alors, plan incurvé, j'aurais bien aimé en fait qu'il soit un tout petit peu moins incurvé. On va lui demander de tourner un petit peu ce plan et de retrouver juste, voilà, le bon axe pour pouvoir poser les éléments et pour pouvoir retrouver, eh bien, pourquoi pas. Ici, je vais le mettre avec majuscule à 90, tac, 90 degrés. V pour le déplacer et je vais prendre le glissement un petit peu ici, une petite rotation pour pouvoir retrouver ce petit élément bien à plat, et toujours V pour pouvoir remonter, hop, voilà. Autre truc, si je suis comme ça et que je veux le reposer au sol, je peux lui demander, j'ai une petite action à l'intérieur de Dimension ici, qui va me permettre de placer sur le sol. Et donc il va venir poser mon plan incurvé directement comme ça. Ensuite, je peux lui demander S comme la mise à l'échelle, et je vais agrandir mon plan incurvé dans un sens et l'autre pour avoir un nouveau rendu. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir chercher dans mes bibliothèques, je vais prendre la dernière bibliothèque sur laquelle j'ai travaillé, ma bibliothèque Dimension, et je vais aller poser mon papier millimétré directement sur mon plan incurvé. Donc une fois qu'il est posé sur le plan incurvé, je vais pouvoir tourner et poser le contenu. Je vais pouvoir déplacer en fait ce petit élément de rendu. Ça donne un petit côté un peu technique à mon contenu.
Et vous voyez qu'en permanence, il est en train de faire le rendu de mes étiquettes. Maintenant, je vais sélectionner cette étiquette-là. Je vais double-cliquer pour attraper le, l'étiquette, le label. Et je vais pouvoir glisser dessus directement sur la partie de l'étiquette. Et là, vous allez remarquer un truc. C'est que mon étiquette, elle est posée. Et cette étiquette, en fait, elle est identique sur le premier et le dernier flacon. Est-ce que vous savez pourquoi ? J'ai deux étiquettes qui sont identiques et pas le troisième. Normalement, c'est juste une question de est-ce que vous avez été attentif à ce qu'on s'est raconté jusqu'ici. En réalité, tout à l'heure, quand je suis allé créer ma deuxième bouteille, la première, j'ai fait un copier-coller. La deuxième, j'ai fait un copier-coller comme occurrence. Et coller comme occurrence, ça veut dire que la deuxième bouteille est la troisième bouteille, est la même que la première bouteille. Donc ça va me permettre de modifier beaucoup plus rapidement mes contenus. Je peux prendre donc la couleur de mon étiquette. Je vois que la couleur de base, c'est un petit peu grisâtre. Je peux lui demander, en fait, de retravailler cette image. Je vais pouvoir lui demander, regardez ici. Je vais pouvoir zoomer dessus. Il me propose de cliquer deux fois pour la modifier. Et ça veut dire que soit il va l'ajouter à mes bibliothèques CC, soit la modifier, mais dans une application. Et dans quelle application on va modifier les étiquettes ? Hop, je vous laisse deviner assez facilement. Oui, évidemment, dans Photoshop. Donc là, effectivement, c'est le clone. Et tout à fait, bravo Hyperlead, je vois que vous suivez, c'est une bonne chose. Donc je vais prendre mon étiquette, pour l'instant c'était un format PSD, ça veut dire format PSD que je peux prendre une couleur unie dessus, hop, ma couleur unie, ben, je vais reprendre du orange comme tout à l'heure, et je vais lui dire, ok, maintenant je vais venir regarder ce que ça donne en termes de rendu, vous vous rappelez, hein, ça c'est des nouveautés Photoshop, on a maintenant accès aux couleurs directement à l'intérieur de... des modes de fusion, on va pouvoir les voir directement en les plaçant. Donc ça, ça va être assez, assez sympa de pouvoir tester ça. Je sauvegarde mon étiquette, maximiser la compatibilité, je retourne dans Dimension, mon étiquette a été modifiée, normalement, si tout va bien, voilà, et elle a été modifiée sur mon flaconnage. Ok ? Maintenant, je peux prendre le deuxième élément, je vais double-cliquer pour rentrer donc sur l'étiquette, et je suis bien sur le panneau de l'étiquette, et je vais pouvoir mettre, glisser ici, la nouvelle étiquette, le nouveau logo, en beaucoup plus grand. Ce qui va être intéressant pour moi, pardon, oula, je vais essayer de ne pas le déformer, ce serait quand même un petit peu mieux. Ce qui va être intéressant pour moi, c'est que cet élément-là, en fait, il vient d'un fichier Illustrator. Sous-entendu, je peux lui demander, clic droit là-dessus, d'aller modifier. Et quand je vais lui demander d'aller modifier, il va me dire, ok, on va modifier non pas l'élément de départ, ça c'est mon fichier de travail de départ, mais on va modifier l'élément qui fait partie des bibliothèques. Et par exemple, je vais lui dire, bah, ok, c'est pas mal, mais en réalité, la couleur qu'on aurait dû utiliser pour ce contenu-là, c'était plutôt cette version-là. Un petit peu plus fraîche, je sauvegarde mon contenu, commande ou contrôle S, je retourne dans Dimension, et dans Dimension, toutes les étiquettes sur lesquelles le logo était appliqué vont avoir été mises à jour. Ça marche ? Ouais. Oui, oui, bien sûr. Alors Alexandre précise que des éléments qui sont liés, qui ont été liés lors de la création, peuvent être éventuellement désolidarisés pour ne plus avoir accès à l'occurrence. Donc ça, ça va être vraiment super utile de pouvoir sélectionner tout ça. L'autre point qui nous intéressera, c'est que si j'attrape mes éléments, je peux, à l'intérieur de Dimension, n'oubliez pas, hein, c'est un peu comme un petit Photoshop, c'est que je vais pouvoir sélectionner des objets, et je vais pouvoir les sélectionner par baguette magique. Par exemple, ici, j'ai attrapé le bord du bouchon, je peux attraper les éléments par rapport à l'objet sur lequel je vais cliquer. Et je vais pouvoir prendre le bord de mon bouchon, et je vais pouvoir lui demander au niveau de la sélection, donc de prendre ma sélection et de faire majuscule pour attraper les différents objets au fur et à mesure. Et donc, je vais glisser au fur et à mesure ma petite baguette magique ici, je vais rattraper toutes les zones qui m'intéressent, et je peux lui demander de sélectionner ici, hop, d'augmenter en fait la taille de la sélection. Par défaut elle est relativement courte, mais je peux augmenter un petit peu cette taille, ce qui fait qu'il va aller plus facilement piocher les éléments autour, vous voyez, il va aller chercher non pas juste un tout petit bout, mais vraiment les contenus qui vont bien.
Et ce qui sera bien, c'est que je vais pouvoir lui demander maintenant de copier et je vais pouvoir lui demander de coller. Et quand je colle, j'ai collé quoi ? Le drop bottle top. Et donc, je vais pouvoir le prendre et je vais pouvoir le déplacer. Et c'est comme ça que je vais pouvoir prendre, eh bien, à l'intérieur de mes objets dans dimension. Lui, on va le plaquer au sol. On va venir le glisser ici. Rotation pour pouvoir le faire tomber. Alors, je ne sais pas s'il a été super bien modélisé. On va voir. Hop. Et je vais le remettre ici, toujours placé au sol. Et peut-être encore une petite rotation dessus. Tchouk. Histoire de donner un petit aspect un peu réel à mes objets. Toujours placé au sol, toujours décalé un petit peu, hop. Et on va se déplacer sur la page et vous voyez que je connais les dimensions dans lesquelles je vais le placer. Je refais le test de rendu, je regarde, ouais c'est pas trop mal, c'est pas la composition du siècle, hein, qu'on soit clair. Et une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à repasser dans le mode rendu. Et dans le mode rendu, je peux lui demander d'aller chercher, comme tout à l'heure, la vue 3 quarts avec la mise au point. Mais cette fois-ci, donc, je peux lui demander de faire le rendu direct. Il va me dire, est-ce que vous voulez la remplacer ? On va lui donner un petit nom. Flacon 2. Hop, rendu. Donc, je peux lui demander de travailler là-dessus. Mais ce que je vais pouvoir faire, et ce que vous pourrez tester aussi, mais attention, ça nécessite un certain nombre de crédits, c'est qu'on va pouvoir lui demander ici d'aller chercher le rendu, non pas en local, mais en cloud. Et donc, rendu en cloud, si je suis assez satisfait de ce que j'avais lancé, je peux lui demander de garder les réglages, par exemple qualité faible, ou qualité moyenne, ou qualité élevée. Je vais pouvoir lui demander de l'enregistrer eh bien, dans mes Creative Cloud Files, de choisir précisément à quel endroit on va le ranger. Et puis, je peux lui demander de voir les différents rendus qu'on a pu mettre en place. Ici, je retrouve mes différents rendus. Et si je souhaite partager mes rendus avec mon équipe, ici, petit plus, je peux partager le dossier, inviter des gens ou obtenir le lien de ce dossier de rendu. Ce qui permet d'avoir une personne qui fasse le rendu, le calcul, etc. et de partager avec le reste des membres de l'équipe. Ça vous va, ça ? N'oubliez pas aussi que si je prends une qualité élevée, ça me consomme 3 crédits sur les quelques crédits qui sont disponibles chez moi, faible, ça me consomme qu'un seul crédit, et moyenne, ça me consomme 2 crédits. Ça, ce sera à vous de voir si vous voulez que votre ordinateur travaille, ou si vous voulez lancer vos rendus directement et le laisser travailler directement en ligne. Ok ? Ouais. Merci beaucoup Alexandre. Pour les petits compléments, je sais que tu es très fan de Dimension et qu'il y a beaucoup de tes travaux sur la galerie Behance, ce qu'on peut retrouver là-dedans. Donc c'est super sympa d'avoir suivi la session. Donc voilà comment on va pouvoir faire tout ça. Maintenant, il y avait une petite image que j'aurais souhaité vous montrer aussi, puisque c'est l'image que j'ai utilisée eh bien, pour la session de Dimension aujourd'hui. Sur cette session-là, comme vous avez pu voir, le visuel donc, que vous avez récupéré, en fait, il est intégré. Il y a de la fumée et il y a de la canette. Quand j'ouvre mon visuel avec Photoshop, vous allez voir qu'en fait, j'ai pas mal travaillé sur différents éléments à l'intérieur même de l'image. Par exemple, le rendu par défaut, c'était ce rendu-là sur la canette. Et c'était même ce rendu tel quel. Et sur le rendu de la canette, quand je double-clique dessus, vous verrez que j'ai rajouté éventuellement des courbes sur lesquelles j'ai travaillé plus ou moins. J'ai notamment rajouté un filtre caméra RAW pour avoir un rendu plus particulier. Et quand je rentre à l'intérieur de la canette, vous allez voir qu'au départ, j'avais un rendu qui me plaisait pas plus que ça. Et du coup, j'ai recalculé une map différente. Et la map en question, eh bien, je lui ai rajouté, comme pour un calcul Photoshop classique, eh bien, je lui ai rajouté ici un petit masque. J'ai retravaillé dessus sur le contenu et l'intégration de ce contenu-là. Donc, je ne vais pas enregistrer la mise à jour du fichier. J'ai retravaillé donc ici, pareil, dans des objets dynamiques. Et ces objets dynamiques, eh bien, je suis allé les poser dans une image un peu laiteuse que j'ai trouvée à l'intérieur d'Adobe Stock. Et cette image, eh bien, je la retrouve deux fois. Je la retrouve une fois derrière et une fois devant. Mais vous allez remarquer que la version qui est devant, en fait, elle est bizarrement mélangée. Tout simplement parce que, vous le savez, dans Photoshop, et là vous allez le retrouver ici, vous pouvez avoir des modes de fusion qu'on appelle avancés. Et par exemple, ici, je lui ai demandé tout simplement de décaler le rendu du blanc pour pouvoir mieux intégrer en fait la canette
et les petites parties de fumerole que j'avais placées devant. J'ai fait juste un petit masque sur cet objet-là, parce que c'était celui-ci qui m'intéressait. J'ai posé donc mon élément, en mode avec un filtre dynamique de flou gaussien directement sur la canette. Alors je sais pas si c'est très visible. Check. On le voit ou on le voit pas? Je vais mettre de près, avant le flou gaussien, après le flou gaussien, pour rattraper une profondeur de champ manuelle. Et puis, ce que j'ai fait derrière, eh bien, c'est que j'ai retexturé l'ensemble de l'image. Ici, par exemple, enfin, retexturé, recoloré l'ensemble de l'image pour l'intégrer au mieux. Donc, refoncer un petit peu, rajouter de la lumière en noir avec un simple coup de pinceau et redonner de l'éclairage en haut pour pouvoir rééclaircir le contenu. Et ça, c'est ce que chacun d'entre vous va pouvoir réaliser parce que je suppose, vu les réponses que vous m'aviez données au départ, que vous êtes tous fins connaisseurs de Photoshop et des possibilités de mélange. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai réalisé donc la vignette de notre session du jour que je suis allé poser directement sur YouTube pour que vous puissiez retrouver le contenu. Donc voilà un petit peu comment on fait des compositions graphiques en 3D via Adobe Dimension et bien entendu, vous vous en doutiez, avec du Creative Cloud, avec des éléments qu'on pourra retrouver dans nos différentes applications. Donc que ce soit Illustrator, Photoshop, le tout dans les bibliothèques, etc. etc. Ça vous va ça? Est-ce que ça a répondu à des besoins, des attentes, des demandes que vous aviez sur l'application? Un petit oui, un petit non dans le chat. Et on va bientôt terminer puisque je me prépare pour la session suivante dans une petite heure où nous allons parler de caractère animator et audition. Caractère animator pour faire des petites marionnettes dans les coins de vos écrans, notamment sur Twitch, et audition pour faire un enregistrement voix qui soit de la meilleure qualité possible. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi et on se retrouve dans une petite heure. Au revoir.